Et donc, ayant eu ce cas, nous allons renforcer la surveillance épidémiologique par des méthodes aujourd'hui, comme il a dit, des méthodes modernes. On a la possibilité donc de contrôler ces personnes, mais mieux, nous allons donc sensibiliser nos communautés pour que les comités de veille sanitaire s'impliquent pour que nous n'ayons pas ce cas. Nous voulons vraiment protéger les Ivoiriens, parce que tous les Ivoiriens doivent comprendre que c'est leur rôle de contribuer donc à la protection donc sanitaire de notre pays, parce que ces maladies dont on parle sont des maladies assez donc hautement donc contagieuses et épidémiques. Donc il faut vraiment que chacun s'implique. Nous avons vu le ravage que ce virus a fait en Afrique de l'Ouest ici, notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Il y a eu plus de 12 000 morts dans certains pays. Et si aujourd'hui on nous dit que ce virus frappe à notre porte, si on dit que ce virus a été apparu dans un de nos établissements sanitaires les plus fréquentés, c'est un phénomène qui fait peur. Quand vous vous sortez dans le plan là.